Français. Encore heureux pour le premier niveau. Eh ouais les gens, on se retrouve enfin pour la suite de Steve qui teste les niveaux de Woodbreak, hein, les défis. Vous êtes contents? Oui. En plus, j'avais fait les miniatures il y a longtemps, c'est même disponible sur Facebook. Oh, pas de Jim. Oh, lui, il était bien, lui. Ensuite, tu prends qui? Ouais, je prends Marc. Et je prends Kevin. Non. Une pointe dans le dos. Oh putain, il y a déjà pas mal de zombies là. En fait, en facile, il y en a un. En normal, il y en a deux, tout ça. What the fuck are you doing? Reste rang, l'éléphant. Là, tu vas un éléphant prendre l'apéro dans le restaurant. Côté. Ça y est, les zombies. Ah putain! Le crackle! Allez, Marc! Tu peux le faire, Marc! Mais va pas vers les zombies! Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais par là! Hop. Tu sais que tu pouvais contourner aussi de l'autre côté. Ouais. Ça, c'est une toute nouvelle arme qui ne se trouve qu'à ce niveau-là en difficile. Tu te rends compte? Mais par contre, je sais pas si elle est puissante. Ah, ça va. Va par là! Au moins, il n'y a pas de zombies. Tu t'en fous, James! Cours! Par contre, j'espère que ça va te compter quand même le code. Parce qu'il faut lire le truc pour pouvoir. Je crois que Jim va pas bien. Mais viens ici, Jim! Il va pas bien, mais bien. Il y a l'éléphant qui apparaît derrière, c'est ça? Ouais, tu peux la passer. Après, je sais pas si tu seras téléporté, résultat, parce que normalement, tu te retrouves à l'entrée quand il y a cette cinématique. Après, je sais pas. Oh my god! Alors, mets où te barrer? Je vais prendre la porte. Si on peut, bien sûr. Il se téléporte. Il y a un cours d'eau qui traverse le zoo, il est stagnant. Non, ça, il y a que Marc qui peut le faire. Marc! Pousse! Il a pas envie. Go! Et alors, pour eux, dans les sous-titres, ça veut dire d'accord. Espèce de gros, va. Bon, c'est le seul qui te reste, vu que Jim est mort. Ouais. Ramasse le gros là. Il a fait comment pour entrer ce gros? Tu verras, putain. Pas par là. Laisse-moi passer. Je crois que ça sert à rien ce que fait Marc. Il ouvre la porte et... Ah normalement tu verras, attends un peu. Tu vas venir, oui. Vas-y, l'éléphant, vas-y. Eh putain, mais chez moi, il vient direct. Allez, l'éléphant. T'as bien que l'éléphant, va. Pff. Oh putain. Je vais pas lui dire ça. Oh. Il m'a foutu les boules. Pire que les zombies dans les toilettes dans Dead Rising. Oui, pire. Ouais, quand même. Mais c'est surtout à cause du fond noir quand tu le vois arriver. Ouais. C'est surtout le fond noir que tu vois. Voilà. Pourquoi quand Steve dit quelque chose, ça a toujours une connotation raciste? Ah, ça c'est qu'il y a notre pote qui arrive. Ne t'inquiète pas, il s'en prend pas au Yen. Ah oui, ne t'inquiète pas, hein. Oui, oui. Oh! Quoi? Il faut une clé? Allez, start, bouton start, marche s'il te plaît. C'est là où il veut pas marcher. Ou fais select. Allez. Oh, Steve, pourtant c'est si simple. C'est pas ma faute, ça va être marche mal. Hein. Alors. Ah, il a quoi? C'est... Putain, mais laissez-moi voir! Elle arrive! Allez, l'éléphant est parti. Ah, il a les balles pour le revolver. Qui ne se trouve donc que dans ce niveau, tu auras compris. C'est bien. Une clé spéciale, qu'est-ce que ça peut être? Oh, l'esquive! Oh, l'esquive! Oh, le black aussi! Il est en mode walouf. Steve? T'es dans la merde ou... Oh, il va peut-être y arriver. Il est arrivé. Essaye de prendre la porte. Pitié. Putain, ça va vraiment pas. Oh là là, je sais pas où elle est la clé. Steve, ah. Ça sert.
Marc, par contre, il a des munitions, ça sera utile pour ton revolver. Ouais. Ouais, bon. C'est pas vrai. Attention! Attention! Ah bah ça va aller, les forces barres. Con, il est con. Et il revient. Ou pas. Je passe la panne. Non, je la passe pas. Salut l'éléphant. Pourquoi t'as un truc qui me brille, ça m'énerve là. Non, c'est un item spécial pour Marc. Oui, ça va lui repasser par cette porte. Peut-être la clé spéciale. Ah ouais, c'est la clé du bureau, tu pourras y retourner. Ok. Bah, tu y retournes là maintenant. Oui. Hey, you. Attends, on va laisser Marc se faire tuer. Allez, Marc. File-le à Marc. Non. Fais pas ton hasard non plus. Hein. Alors, Marc. Je les lis plus tard, mais elle dit maintenant je les ai déjà lus. Par contre, il me... Yes. Ah ben, sinon ça lui serait pas venu à l'esprit, hein. Bon, je te laisse fouiller un peu partout. Encore une médaille. Putain, je suis dans la merde. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? C'est peut-être la médaille. Même pas. Je me barre. Mais non, il est gentil, l'éléphant. Ah oh, bah il va bien, Marc. Il se barre. Faut faire gaffe, faut surtout pas qu'il te chope. Hein? Les coups de trompe ça va, mais te choper. Putain, mais en fait il défonce pas combien de trucs là, lui. Putain, mais oh, il a fait combien de trous? Ah bah il est là. Alors, surprise, où est-il exactement? Salut! C'est une mauvaise. C'était pas par là. Aïe! C'est une mauvaise idée d'aller devant l'éléphant. Je crois que c'est une mauvaise idée d'aller derrière lui. Il laisse-moi passer. Hein? Il va se faire. Ah bah il est là. Bah il va bien en fait. Cucu. Nichon de vite. Oh putain. Là je change jamais la face là, ma parole. Oh ah bah oui. C'est ton droit. Oh je mors. Ah il va dans la scène des éléphants, c'est cool. Tu vas le rejoindre. Et je le vois plus. Tu vas le rejoindre. Ouais. Je vais le coincer à ma vie. Oh, ce qui serait drôle, c'est qu'il est même pas là. Ouais, ouais, justement. Je crois que ça va être ça en plus. Voilà. Il s'est passé quoi? J'ai même pas poussé un bouton, ils m'ont foutu à l'écran de chargement déjà. Bon, en fait, il était là, t'as juste poussé. C'est taré. J'ai vu quelque chose d'horrible. Ah, je passe entre ses jambes. Si c'est le mec, j'imagine l'éléphant. Ah merde, elle est plus là. Mais attends, est-ce qu'ils vont le compter dans ce... Bon, comme t'as pas le courant encore, tu peux pas l'emprisonner dans le truc. Bonne chance. Là, ça me fout les boules si je le vois d'ici. Hein. Arrête de dire ça. Tabernacle l'éléphant. Non, en fait, avant juste que je me mets à côté de la porte. Bah, sauvegarde pas tout de suite. Vous pouvez utiliser la machine à écrire encore une fois. Je vais même pas sauvegarder. Prends-le. Bah bravo, t'as trouvé un objet spécial, c'est cool. Vous l'avez pas? Non. Bah à ton avis. Bon bah je vais sauvegarder. Et là s'ils me disent 0 fois, y'a un problème. J'ai eu peur, j'ai cru qu'en fait, c'est à chaque fois que tu cliques sur la machine à écrire. Ça c'est pas... Ouais vas-y, sauvegarde. Suspense. Enfin, pas vraiment suspense, veut que ça va reprendre directement après. Est-ce que Marc va se faire Cindy? J'ai un petit gueule. Je vais te tirer dessus. Ouais! Allez, c'est la sécurité! Mets le costume derrière. Ouais, les méchants, fais gaffe. Wow. Lâche-moi. Toi en fous de ça, continue, il y a juste la petite plante qui va te tentaculer un peu, mais ça va. Et maintenant passe le coup.
Ah, faut sauter au bon moment cette fois-ci. Tu remues, t'appuies sur tous les boutons. Voilà. Bon, ça va. Tu te fais pas buter par le corbeau comme la dernière fois. Ah, c'est bizarre que tu y arrives pas parce que normalement tu peux. Ah, t'as été empoisonné. Ah. Voilà, utilise-le vite. Voilà, c'est bon. Et Marc, on s'en fout. En fait, il s'est fait violer par les abeilles. Ah bon, ouais, c'est pour ça. Ouais, profites-en tant qu'ils font son animation par là. C'est le plus court. Ouais, bon, par contre. Ouais, tu t'en fous de l'oiseau. Ça va, il s'en prend toujours à l'allié quand on a un là. Donc, c'est un avantage. Par contre, s'il me fait mourir. Sans t'arrêter, tu prends rien et tu montes l'escalier. Ah non, il y a des lions ici. Ah, c'est en facile en normal qu'il y a les hyènes. Donc là, tu fonces encore plus. Parce que les lions sont encore plus bâtardes. J'espère que je suis pas orange. Ta gueule, toi. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Ah, je pense qu'il en veut. Parce que c'est la première fois que je vois. Pas mal d'être arrivé ici, c'est une vraie jungle là-bas. Je m'appelle Austin, je suis chasseur alpon d'observation. Il parle très bien français. Mon collègue a disparu, j'ai perdu tout en contact avec lui. Si vous rencontrez quelqu'un, dites-lui que je suis vivant. Voilà. Alors que ce trou du cul, il arrive. Je sens qu'il va me sauter dessus, mais en mode... Et si jamais t'as un problème pour appuyer sur Start, tu fais Select et moi je le fais. Ah bah y'a des hyènes aussi. Oupinez. Ils ont foutu les deux. Allez, hop, hop, hop. Ah oh, putain, attends. Putain. Je le fais. Non mais, mon frère. Non mais, qu'est-ce que... Je le fais. Mais je sais pas, elle voulait plus bouger cette pute. C'est parce que t'es en mode hémorragie là. Attends, je te le fais. Oh putain, l'hémorragie, merde. J'espère que t'auras de la chance et que toi... Et le... Ah bah oui. Ah, le pote va-t-il réussir à esquiver comme moi? Ah c'est bon, l'hémorragie est partie. Elle était là depuis là. Bah ça va être simple l'énigme. Hop. Hop là. Ah oui, toi je te passe en travers. Wow. Ah bah elle est morte. Tu vois là, il s'est marqué mort. Moussa, il s'arrête devant toi. Bon, deuil pour Marc, hein. Il aura tenu longtemps, plus que Jim, ça c'est sûr. Mm. Hein, il aura duré longtemps, c'est un survivant, mais bon, il est en danger, une hyène. Et... Eh, mais je suis quand même étonné, hein. Il avait quand même réussi à tenir longtemps alors qu'il était empoisonné. Il a passé l'alligator, il a passé la lionne et la hyène, hein. Ouais. Ah, franchement, il m'a étonné, hein. Déjà... Oh, putain! Cours! C'est pas par là! C'est... Je suis bien. Ah. Ouais. Casse-toi. Ouh, putain. Mais je m'en doutais. T'es un salaud. Tout descends tout. Merde, c'est pas par là. Non mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Descends, il y a une échelle. Mais laisse pas la tête. Mais en plus elle est handicapée là-haut. Ça m'énerve, tu tournes à droite, elle fait pas à droite direct. Hein, je... Oh non. Ici, Kevin était mort durant ma soluce en normal, quand j'avais fait la partie normale. Alors, je crois que tant que t'es ici, t'es un peu à l'abri, je crois. Quoique, à moins qu'elle soit descendue. J'ai peur. Bon, ben, on restera pendant 24 minutes sur cette botte à l'arrêt. Oh putain. Oh putain. Oh putain, vite, monte. Monte. Meurs. Oh le salaud. Oh putain de merde. Un conseil monte. Et lui il fait quoi avec la casse de... Putain de lionne. Là. Et maintenant, je te jette. Ouais. Voilà. Ah oui, merde. Par contre t'as power man. C'est quoi? C'est un objet spécial, tu sais, pas d'homme. Tu l'avais pas eu? Non plus. Il y en a qui sont quand difficiles, hein. Oh, j'ai eu. T'as un truc à pousser, normalement. Ah bah oui.
Faut pousser un truc en gros, t'as une lionne quoi. Tu sais, ça sert un peu à rien vu qu'elle court plus vite que toi. Elle en a deux. Ouais. Moi je sais pas. Mais oh. Bon ben, t'es quand même arrivé loin. J'ai fini. Elles achèvent même pas leur victime. Ah, enfin, enfin, la fixée revient. Ou c'est quand j'ai mangé l'herbe bleue. Ouais. Allez, Steve. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. T'es mort. Merci. Bon. Applaudissons Steve. Ouh. Je t'ai quand même fait gagner des objets spéciaux. Hein. Ouh. Même si je sais pas à quoi il sert, les objets spéciaux. Juste pour le score. Ouh. Vous êtes meurt. T'as fait un meilleur score en difficile vu que c'est mon premier score. 14 points. Bravo. Bravo Steve. Quitté. Bon bah alors c'est l'heure du mot de la fin, dis-le. Je te le garde. Bah oui.